Allez, viens. Il est à toi. Grouille-toi, pauvre débile. Je vais être fière de toi, mon bonhomme. John Wayne. Arrête de déconner. Je vais vous attendre bien gentiment. Avance, espèce de tas de boue. Salut les enfoirés, c'est un hold-up. Yeah. Allez, ouvre la caisse. Reviens par là. Oui, oui, oui. Viens ici. Oui, d'accord. Ouvre la caisse ou je bute ton merdeur. D'accord, d'accord. Je vais te buter, ma parole, je vais te buter. Ouvre. Putain, mais ferme les portes, connard. Mais attendez, ça y est, voilà, j'ai la clé. Tu vas l'ouvrir, oui. T'es oui, sûr ou quoi? Ouvre-moi ce putain de tiroir caisse. Tu me mets tout dans un sac. Je vais t'éclater la tronche et je vais buter ton merdeur. Tenez, voilà l'argent, voilà. Tu vas laisser cette saloperie. Monsieur, tirez pas, tirez pas! Non! Non! Non, non! 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 Pour bouffer un hot dog. Allez, on ne traîne pas. Je vois qu'il essaie encore de faire craquer la poule aux oeufs. Arrache-toi du plume. Allez, on y va vite. Je peux pas, je suis malade. Une journée de travail, ça va te guérir. Mais je vous jure que je suis malade. Très malade. Aucun malade dans mon bloc, et surtout pas toi, Mac. Bon, ça va, laissez-le tranquille. Toi, t'avances, la tente. Ferme-la, ici, c'est pas fait pour les gonzesses. Le vieux, il a la peau dure. Avance, bonne 7 heures. Suis les conseils du brûlé, bonne 7 heures. Espèce d'enfoiré. Allez, on y va! Ça dépend de toi, Mac. La décharge ou le pieu, tu choisis où il est caché. J'arrête pas de vous le dire. Il n'y a pas de pognon. Alors c'est la décharge. Allez, dépêche-toi! On traîne pas! Allez, la dictature! Allez, les collards, au taf! On y va! Au taf! Je veux voir que vos coudes et vos trous du cul! On se bat! Ramasse ça! J'avais vu une bande de glandeurs pareils. Allez, remuez-vous. Hé, c'est fini, il se casse. On a rien fait de pas.
vous tuer. J'ai besoin de vous, alors je peux pas vous tuer. Je voudrais bien, mais je peux pas. Dégagez, allez. Virez vos miches de là. Hé, Mac, par toi. Hé, Mac. Hé, Mac. Viens, Mac. Ce truc qui brille, là, par terre. C'est un dollar en argent. Allez. Allez, allez, on dépêche. Allez, montez dans le bus. Enfin, Mac, qu'est-ce qui te prend, là? Dégage. Mariez-vous le train. Dégage. Remue ton cul, débris. Tu vas te faire écraser. Non. Hé, hey, Mac. Mac. Ça y est, tu l'as, ton dollar. Hé, hey, Mac. Hé, le gueule, sors-toi de là. Mac. 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 Mac, ça va? T'es pas là, on s'occupe de là. Hé, le débris, ça va, tu te sens bien? Gueule, enfoiré. Va te faire mettre. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Ça te crevure. Sale enfoiré, putain de brutasse! Je vais te faire un beau sale con! Tiens, dis-moi un peu, Oscar. T'as déjà pensé à un truc? Si tu avais un dernier vœu, ce serait quoi ton vœu? Je sais pas. Oh. Tu parles. Et le mien, tu le connais? De me dire que Gulli pourrait mourir avant que son heure ait sonné. Je te donne ma parole qu'à la première occasion, je vais le buter. Si tu fais ça pour moi, tu deviendras très riche. Alors tu l'as caché le pognon, hein, c'est vrai? Est-ce que je t'ai déjà parlé de Dorothy Haynes? C'était vraiment la plus belle femme que j'ai jamais vue. Ah ouais? Viens me rendre visite un de ces soirs. Ici, à l'infirmerie. De quoi est-ce que tu parles, Mac? Et apporte-moi un dessin avec toi. Celui qui est accroché dans ma cellule. Celui avec tous les arbres? Les arbres, ouais, c'est ça le truc. Et personne ne s'en est jamais aperçu. Oscar, promets-moi que tu ne reculeras pas pour Gulli. Je reculerai pas. Promets-le-moi. Je veux t'entendre le dire. Je te le promets, Mac. Que Gulli est arrivé en premier. La rapacité, l'orgueil et la haine sont trois raisons pour que Mac brûle au feu de l'enfer au lieu d'aller au ciel. Et j'espère pour toi que tu seras plus intelligent. Va te faire foutre. Écoute, s'il existait ce pognon, je sais que je te dirais où il est planqué. Si quelqu'un d'autre savait, ça me servirait de pare-balle. Il faut s'entraider face aux bêtes sauvages. Tu vois de qui je parle ? Barre-toi, Jackson. Comment ça va, Bonsetter? Il fait beau aujourd'hui, chef. T'étais avec Mac le soir où il est mort? Oui, chef. Essaie d'imaginer un puzzle, Bonsetter. On possède chacun un morceau et on veut chacun l'autre morceau.
Il a juste demandé un prêtre. C'est comme ça que tu le prends, hein? N'hésite pas à m'appeler quand tu voudras me parler. Tu me dis ce que je veux et je te donne ce que tu veux. Allez, bonne 7 heures, sors d'ici. Avance. Il est parti. Il a eu un accident. Il est mort. Non. Allez, salut Francky. Surveille bien la poubelle. Hein. Allez, casse-toi. Et merci pour le séjour. Salut les gars. Les moyens? Non, aujourd'hui c'est gratuit pour les copains. Putain, c'est pas vrai, Marques Jackson. Allez, monte. Pose ton petit cul à l'arrière. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? T'as tiré un taxi? T'as tout compris. Alors, tu as fait ton sourire allumeur aux bonnes femmes de la commission de libération sur parole et tu as trouvé la sortie? C'était pas trop dur de se tenir à carreau sans Gully. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu prévois de faire? Je vais me trouver un boulot comme toi, mon pote. Ah ouais? C'est ça. Merci pour le voyage. Hé, 37 heures. Attends. Est-ce qu'il t'arrive de penser à Mac? Bien sûr. Moi aussi. Et alors? Je veux pas retourner en cabane. Tu lui as fait une promesse, tu te souviens? Il allait crever, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Thank you.
Oui, allô, est-ce que Tom Gullerman est ici? Ah bon? Bon, très bien, excusez-moi. Allô? Est-ce que Tom Gullerman est là? C'est ce qu'il te faut. C'est doux comme une fesse de bébé. Ouais, d'accord. Allez, avance. Non, j'y vais pas. T'es trop mignonne à cloche-pied. Allez, va me la chercher. Allez, vas-y toi-même. T'es vraiment nulle de balancer ma chaussure. Salut. Qu'est-ce que vous fichez derrière? Je voulais juste aller au bord de l'eau. Eh ben avant, rendez-moi ma chaussure. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est à vous? Quoi? J'ai l'air d'une cendrillon? Croyez-moi, elle est à moi. Alors, le bar est ouvert? Ouais, il est ouvert. T'as trouvé ta chaussure, Rose? Ouais. Bien. Vous êtes tombé en panne? Non. À pied, alors? Ouais. Un paumé. J'aime pas les paumés. Ça pisse n'importe où, ça met des ordures partout. Al, c'est un client avant tout. J'ai besoin de faire tourner ce resto. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, Rose. De toute façon, tu sais que je suis pas loin. N'est-ce pas, Rose? Hé! Hey! Restez pas tout seul dans votre coin. Venez vous asseoir au comptoir. Vous voulez le plat du jour? Ouais, si c'est un hot dog. Un hamburger, ça marche. Vous voulez une tasse de café? Je veux bien. Et voilà. C'est plutôt calme par ici. Ah oui, c'est plutôt calme. Depuis que le pont les mène directement de l'autre côté, les camions ne passent plus. C'est dommage. Alors? Vous avez laissé tomber votre femme? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Elle va être malheureuse? Non, je crois pas. C'est toi, Al? Non, c'est pas lui. Il vient de partir. Un client au comptoir. Bien. Qu'est-ce qui va pas? Quoi? Ça, c'est mon patron. Il est aveugle. Depuis qu'il a perdu la vue, il lâche pas son fusil. Il est aveugle? Oui. Accident de la route. Mais il continue à veiller sur moi.
Alors tous les deux, vous faites tourner la baraque? Ouais. Excusez-moi. Donne-moi juste un peu d'eau. De l'eau? Tenez. Oh! Rose! Qu'est-ce qui se passe? Le grill a pris feu. Et ce monsieur l'a éteint, il s'est brûlé. Et toi, ça va? Oui, moi, ça va, grâce à lui. Je sais même pas votre nom. C'est quoi votre nom? Lee. Lee? Lee Dawson. Je m'appelle Tom Gullerman. Mes amis me surnomment Gully. Vous avez beaucoup travaillé de vos mains avant. C'est grave, sa brûlure? C'est pas aussi grave que je croyais. Tu veux aller chercher la bouteille, chérie? D'accord. Alors, parlez-moi un peu de vous, Lee. Vous savez, il n'y a pas grand-chose à raconter. Je suis sûr que si. Vous êtes de la région? Non. Eh bien, il n'y a aucun motel dans la région qui soit aussi accueillant que le mien. Qu'est-ce que tu racontes, Tommy? On va le loger dans la chambre d'amis, pour lui montrer notre reconnaissance. Oui, bien sûr. Votre verre, où est? J'ai arrêté de boire. Mets-lui une couvrante sur son pieu. D'accord. Je vous remercie. Elle m'a dit que c'était un accident. C'est vrai. Ah, quelle saloperie, hein. Oh, ça va pas durer longtemps. Ah bon? Non. Dès que l'assurance rack, on fonce à Chicago et je passe sur le billard dans le quart d'heure. Vous savez ce dont j'ai le plus envie? Non, c'est quoi? Voir. Non, je déconne. Je vais revoir ma jolie petite Rose. Elle est canon, vous trouvez pas? Vous voulez venir voir la chambre? C'est ici. C'est pas mal. Vous êtes marié avec lui? Ouais. On le dit pas, ça fait grimper les pourboires des clients. Bonne nuit. Allez, viens. Est-ce qu'il est beau, mec? Oh! Je sais pas. Mince. Avance, qu'est-ce que ça te fait? Bon, balèze, un maigrichon, qu'est-ce que c'est? Un maigrichon, genre nourri à la biscotte. Ah ouais? Thank you.
Viens ici, Rose. Viens ici. Oui, j'arrive. Je t'ai dit de venir. Oh, Tom, il est tard. Je suis crevée. Tu veux plus essayer avec moi? Tu te rappelles comment c'était? Ça va remarcher. Il faut que tu mettes du tien, c'est tout. Arrête! Tu me dois bien ça, non? Sans toi, rien de tout ça ne me serait jamais arrivé. Redescends tout de suite. D'accord, mais lâche-moi les cheveux. Ouais. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, c'est les livraisons qui viennent d'arriver. Les livraisons, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Non, c'est arrivé aujourd'hui, parce qu'on est mardi. Bon, mais va pas te faire mal au dos. Attendez, je vais le faire. Merci d'avoir fait ça pour elle. Y a pas de problème. Un gars costaud, ça nous arrangerait bien, hein, chérie. On a déjà du mal à joindre les deux bouts, comment on paierait un employé? Le gîte et le couvert. C'est honnête comme marché. On ne sait rien à propos de lui. Je sais qu'il nous a pratiquement sauvé la vie hier soir. C'est suffisant pour moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Au Texas, les moulins ont fermé et j'ai perdu mon job. De la famille? Ma femme m'a quitté au début de l'année. J'ai pas d'enfant. On peut certainement le garder à l'essai. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben, pour commencer, nettoyer le grill. J'y vais. Wally? Ouais. Rose te fait trimer. Ouais. Qu'est-ce que tu vois par là? De l'eau. C'est pour ça que je viens ici. Ça me rappelle comment c'était avant. Quoi? Au pénitencier. J'y ai passé pas mal de temps comme gardien. J'adorais ça. J'adorais mon boulot. T'as déjà rencontré un Tola? Non, j'en ai jamais vu. Ils arrivent, ces frimes, grandes gueules et compagnie. Après que je m'en sois chargé, c'était devenu des petits toutous. Je les cassais. C'était mon boulot. C'était très excitant, on dirait. Ah oui. Et ça marchait? Oui. À chaque fois. Oui, à l'exception d'un vieux bonhomme. J'ai tout fait avec lui, tout essayé. Il allait me manger dans la main, et manque de peau. Quoi? Il a crevé. C'est fort, ça, quand même. J'allais la voir. Tom! Allez, dépêche-toi, allons-y, sinon on va être en retard. C'est le jour du coiffeur. On va en ville. T'as ton permis de conduire, Lee? Ouais. Vous voulez le voir? Ouais, c'est ça. Il est écrit en braille.
les deux? Oh, on va aller faire un tour en ville. Oh, d'accord. Alors je vous retrouve dans une heure. Dépose-moi simplement au club du billard. Je crois que je vais arnaquer un ou deux pigeons. Il est où ce club? Je vais te montrer. Ça y est, vous l'avez trouvé, votre hot dog. Quoi? Ça vous plaît pas? Si, si, j'aime bien. Vous êtes sûr? Ouais, c'est très joli. Je crois qu'il faut qu'on y aille. Tom va nous attendre. D'accord. Elle sent drôlement bon. Lee, elle est comment? Elle est pas mal. Quoi, c'est tout? Elle est très jolie. Dis-moi comment elle est. Les cheveux d'abord, où est la différence? Les cheveux sont plus courts, on dirait. Ah oui? Et jusqu'où ils vont? Il tombe sur la nuque. Il est beau, son cou, hein? Décris-le-moi un peu. Il est long. Il est long et il est beau. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Tu vois les taches de rousseur au sommet de sa poitrine? Ouais. C'était notre passe-temps favori, tu te rappelles, Rose? On les comptait. Je me rappelle, Tom. Mais on va bientôt recommencer nos petits jeux. On va bientôt recommencer. Tu vois, chérie, tout bien considéré. Ces balades au bord de l'eau avec toi, c'est ce que je préfère. Est-ce que tout va bien? Oui. Sûr? Bien sûr.
Allez, viens. Allez, viens, va te laver et puis tu regarderas ton programme favori. Qui c'est? C'est Rose. Asseyez-vous. Vous cherchez quelque chose en particulier? Non, je suis curieux. Pourquoi lui avez-vous rien dit? Parce que je suis curieuse. Où est Tom? Il est en haut, il regarde la télé. Il écoute la télé et il imagine. Comment ça va? Ça va mieux. Pourquoi vous restez avec Tom? J'ai mes raisons. Dès que l'assurance nous aura tout payé, je pense que... Quoi, vous allez partir? Ben, ça pourrait prendre un certain temps. Si je verse le ketchup, c'est plus cher. Café? Le toast va sortir. Dis donc, ça marche drôlement fort aujourd'hui. Ouais, c'est bien. Et attention, le toast va griller. Ouais. Hop. Call me chauvinistic, but I love that wiggle when she walks. Yeah, that's how my baby body talks. C'est super. Hein? Votre voix. Merci. She's got a little strength that's ooh, so nasty. Je fais souvent ça sans m'en apercevoir. Ouais, vous chantez vachement bien. Ouais, quand j'étais petite, je dansais sans arrêt à la maison. J'y avais pas pensé depuis longtemps. Et c'est devenu quoi la carrière de chanteuse danse? Eh ben, adieu la danse. Mais j'ai chanté à une époque. Et j'ai rencontré Tom. That's how my baby's body talk. Vous devriez envisager de recommencer. Bouge pas, enfoiré, ou je te fais sauter la tronche! Reste là, bouge pas! À plat ventre, tout de suite! Police! On va y mettre anglais. J'ai dit à plat ventre! N'essaie même pas. Les mains derrière le dos, enfoiré! Tout de suite! Allons-y, allez! Bon, monsieur, dame, c'est terminé. Excusez le dérangement. Toi, tu retournes d'où tu viens. Si tu bouges, c'est les pieds devant. Je suis content de voir que tu assures toujours, Tom. La tolard évadé qui entre dans mon café, je le renifle à 100 mètres. Là, ça va être la partie chiante du boulot. Ouais. Je suis content de plus avoir à me farcir la paperasse. Allez, salut, Al. Ouais, à plus. Il y a de l'orage dans l'air. Lee. Tu veux mettre la voiture à l'abri? Je vais vous ouvrir la porte du garage. Ouh, elle est froide.
Non, pas maintenant, je t'en prie. On n'a pas encore fermé. Je sais. Je voulais juste te dire que t'es une fille bien. Je suis là, fauché, aveugle. Je peux même plus être un homme. Et tu restes avec moi. Tu sais pourquoi? Allez, vas-y, dis-moi pourquoi. Parce que nous n'avons que nous deux au monde. Qui c'est? C'est moi. Il y a des étoiles dans le ciel ce soir? C'est assez couvert. Ouais, ça me donne l'impression d'être à niveau égal avec le monde. Amène-moi en balade, tu veux? Le brouillard s'installe. Tiens, on dirait les gardes-côtes. T'as l'air de t'y connaître. Je vous l'ai dit, j'ai déjà pas mal roulé ma bosse. Est-ce que t'as déjà rêvé de devenir riche? Bien sûr. T'es encore jeune, ça pourrait t'arriver. Ça m'étonnerait. L'argent, dans ce monde, si t'en as pas, t'es rien. C'est plutôt dur à trouver. Tout homme a au moins une chance dans sa vie. Le truc, c'est de pas laisser tomber la balle quand on a mis la main dessus. Je crois que je l'ai laissé tomber. Il vous reste quand même Rose. Qu'est-ce que c'est que ce boucan ?
Chut. J'ai laissé tomber un truc. Ah oui? Bah fais gaffe. Bordel, j'arrive pas à trouver mon manteau. Où est-ce qu'il est? Là où il est toujours? Non, je viens de fouiller le porte-manteau. Chut. Putain. Ah putain, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Quand faut y aller, Tom? Il faut y aller? Je déteste les avocats. Ils savent rien foutre, c'est des glandeurs. T'as qu'à penser à tout ce que tu vas pouvoir m'offrir quand on touchera la prime. Là, je te retrouve. C'est pour ça que je l'aime. Tu vois ce que je veux dire, Lee? Ouais. Elle est formidable. Eh ben, peut-être qu'un car va tomber en panne et qu'on aura plein de clients. Oui, Tom. Peut-être qu'on va toucher le jackpot. Ah putain, c'est Hal, je dois y aller. Comment ça va, Hal? Assez bien, Tom. Je te remercie. Hé, Hal! Comment ça va? Ça va. C'est parti, aujourd'hui on va faire payer ces enfoirés. L'avocat l'a promis. Mais tu connais les assureurs comme moi, c'est des vrais escrocs. Ouais. Cet argent, tu le mérites, Tom. Tu vas voir, le gros lot va tomber d'un jour à l'autre. Ouais. Avec ce qui restera comme fric après l'opération, j'emmènerai Rose avec moi pour une longue croisière. D'accord, Rose? D'accord. Ah ouais, c'est une idée romantique. Ne retardons pas les avocats d'une minute. Ouais. Tu vas bien surveiller l'endroit, Lee? Ah ouais, comptez sur moi. Je te fais confiance. Quand est-ce que vous prenez la route? Vous allez être en retard? Merci de t'inquiéter pour nous. Vous deux faites pas trop de bêtises? Ouais, toi non plus. Rose, des bêtises, jamais elle en fait. Ouais, jamais. T'as pas l'air de le porter beaucoup dans ton cœur. C'est un porc. Il vient traîner avec Tom et il essaie tout le temps de me sauter dessus. Ils seront partis combien de temps, d'après toi? Jusqu'à tard ce soir. Pourquoi on s'arracherait pas ici pour s'offrir une petite sortie? D'accord. Je ferme la boutique. Tiens, va donc faire démarrer la voiture. J'arrive tout de suite.
vois, j'ai toujours rêvé d'un endroit comme ça. Oui, moi aussi. On pourrait se marier, avoir des enfants. Tu me vois en train de traire les vaches? L'été, on rentrerait les foins. Et tu partirais avec une laitière. Pourquoi tu dis ça? Et dis-moi, pourquoi on prend le chemin le plus long? J'ai quelque chose à te montrer. Une nuit, j'ai conduit parce qu'il était trop saoul. La dernière chose que j'ai vue, c'était des phares. On a survécu par miracle. Il est aveugle à cause de moi. Ça aurait pas dû lui arriver. Ça aurait pas dû. C'est là que c'est arrivé. C'était un accident. Peut-être pas. J'étais si malheureuse à l'époque. Je savais pas comment m'en sortir. J'ai fait une connerie monstrueuse. D'une façon ou d'une autre, il faut que je la répare. Je connais ça. Hey, pourquoi c'est allumé dans la chambre? Oh putain! Ils sont là! Il est encore trop tôt, ils reviendront pas avant minuit. Je vais jeter un coup d'œil. Reste là. Chose que toi. Ça y est, tu l'as? Putain, merde, mais où il est, ce pognon? Je sais que j'en suis pas loin, je vais l'avoir dans pas longtemps. Me prends pas pour un con, Oscar. T'es tout seul? Non, avec la nana de gueuler. Oh, maintenant le brouillard commence à se lever. Eh merde, va chier, si tu veux le pognon, tu fais comme je te dis. On le partage, 50-50, d'accord? Ouais, c'est ça. Il devient quoi, Gully? Quoi, il devient quoi? Tu te fais qui? La nana ou l'ordure? Hein? Tu la baises ou tu le butes? Alors c'est ça, tu la baises. Elle t'a chopé dans son pieu et ça te plaît. Tu me dis juste où je peux te rejoindre. T'inquiète pas pour ça. Tu as de la ferraille? Tu appelles un taxi. Appelle, je te le conseille. Parce que je risque de ne pas t'attendre beaucoup plus tard que demain. Qu'est-ce que t'attends pour te tirer d'ici? Et n'essaie pas de me doubler, bonne 7 heures. Ou je te jure que je te plante.
c'était? Je sais pas. En tout cas, il a foutu le camp. Je crois qu'on devrait appeler les flics. Non. Mais Tom doit être mis au courant. Il y a plein d'anciens prisonniers qui cherchent à se venger de lui. Si on appelle les flics, Tom saura qu'on était sortis. Je crois qu'on devrait vérifier qu'il n'a rien pris. Bonne idée. L'argent est toujours là. Je vais prendre un bain avant que Tom revienne. Tu me fais un thé, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça fiche ici? Oh, mon Dieu, je l'avais pas vu depuis des années. C'est quoi? On sait rien, des vieux trucs. Tom a dû le descendre. Laisse-moi regarder. Ça ne représente aucun intérêt, ce truc. Allez, laisse-moi voir. Oh, regarde pas ça. C'est moi en bébé, toute nue. J'étais mignonne. Ça, c'est la photo du type qui obsédait Tom. Il est mort à cause d'un accident et Tom se sent coupable. Parce qu'il dit qu'il est un peu responsable. Et il garde des tonnes de trucs de... Oh, c'est marron. Noël l'année dernière. Oh, oh. C'est quoi ça? Oh, oh, ça c'est une peinture idiote que Tom garde depuis des années. Laisse-moi regarder, s'il te plaît. Ne sois pas bête. Ah, attends. Oh, mais voyons, c'est idiot. C'est ridicule. Je suis crevée. Je vais aller me mettre au lit. Pas à croire que Tom ait laissé l'album ici. Des fois, il est complètement fou. Putain. Où je le pose, ça? Oh, tu peux le mettre où tu veux. Comment était ton bain? Très agréable. Alors, tu as trouvé le miel? Rose! Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. À la fin, ils vont cracher. C'est toi, Rose? Non. C'est moi. Oh, Lee. Alors, vous avez fait du chiffre? Comme d'habitude. Ah, je sais ce que ça veut dire. Je monte me coucher. Tu veux un coup de main? Non, je l'ai fait assez souvent. Je peux le faire les yeux fermés. Bonne nuit, Al. Bonne nuit. Ton job, ça te demande d'aller là-haut? Non. Non, pas trop. Les temps sont durs. Plutôt cool d'avoir trouvé du boulot ici. Ouais. T'es tombé sur des employeurs formidables. Ouais, je le sais. Oui, je sais que tu le sais. Écoute-moi bien, sale petit enfoiré. Rose, elle est pour moi. T'as compris, sale petit merdeux? Alors tu vas faire ce que je te dis. Tu vas quitter le coin ce soir même. Et tu la reverras jamais. Et tu lui parleras jamais plus, t'as compris? Va te faire foutre. J'ai dit ce que tu as compris. Ouais. Bon. Bon. Je te souhaite bonne route.
Jack. J'aurais jamais dû te faire confiance. T'es beaucoup trop branché cul. Mais moi, je tiens mes promesses. Tu te rappelles ce que je t'ai dit hier? Ça va, Jackson, reste cool, pose ce flingue. Tu ne bouges pas et tu me passes ce sac. Mais arrête, c'est moi ton pote. Non, ça suffit maintenant, connard. Tu t'arrêtes et tu poses ce sac par terre. On avait dit 50-50. Tu poses ce sac par terre ou je te balance une prune en travers de la tronche. Vas-y, petit enfoiré. Allez, vas-y. À vous aussi. Je peux vous aider? Je suis venu apporter quelque chose pour vous et votre mère. Tenez, prenez-le. Qu'est-ce que c'est? Il m'a juste donné ce paquet. Tom, allez, ça suffit. Ça suffit, t'as assez bu. Regarde, t'en mets pas. Allez. Hé, Ellie, c'est toi? Bienvenue à la fête de Tom qui s'est fait baiser. Tom, tu as assez bu pour ce soir. Tu te rappelles quand je t'ai dit que j'avais trébuché, Ellie? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis bien trop gentil.
trop gentil avec des vieilles merdes comme McDaniels. Si j'avais pas été si gentil avec lui, j'aurais pas besoin de l'argent de l'assurance. Tom, ça suffit. Lâche-moi immédiatement. J'ai assez fait la fête, je vais me pieuter. Tom, s'il te plaît. De ta gueule. Et arrête de t'excuser. J'en ai ma claque des excuses. Ça va? J'ai cru que tu reviendrais pas. Pourquoi? Aucune importance, ça fait rien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? L'avocat lui a téléphoné. On a perdu. L'appel peut durer des années. Va faire tes bagages. On se barre d'ici tous les deux. J'adorerais ça plus que tout au monde. Mais tant qu'il est aveugle, je reste. Quoi, tu veux qu'il te voie partir? Je dois rester ici et m'en occuper. Je dois bien ça. Tu lui dois absolument rien. J'ai donné ma parole, je me le dois à moi-même. Et moi alors? Je crois que tu devrais partir. Tout est terminé pour toi ici. Tu penses vraiment ce que tu dis? Dors ici cette nuit si tu veux. Oscar, promets-moi. Je te le promets, Mac. Mac aurait jamais dû te faire confiance. Je te le promets, Mac. T'es encore là? Ouais. Je veux pas partir d'ici sans toi, Rose. Je crois qu'il y a un moyen de trouver une solution. Pour qui? Pour toi et moi. Je ne partirai pas d'ici sans Tom. Peut-être qu'il aura encore un accident. Quoi? C'est toi, Rose? Oui, c'est moi. Je ne me pardonnerai jamais, ni à qui que ce soit, si un malheur devait arriver à Tom. Tom ! Venez pas à l'intérieur, on va se prendre un petit café. Si Gulli avait l'argent pour son opération, est-ce que tu partirais? Qu'est-ce que tu racontes? S'il avait ce putain de pognon, tu viendrais avec moi? Peut-être bien. Tiens, regarde. T'as déjà vu 200 000 dollars?
C'est avec ça que tu vas sortir de ce trou. Je l'ai pas volé. C'est un ami qui me l'a filé. Il y a assez pour son opération et pour qu'on se tire d'ici tous les deux. Henri. Je veux pas traîner ici plus longtemps. Allez, on y va. Tout va si vite. C'est ce que tu voulais, non? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Je veux qu'on soit parti dans 5 minutes. Va lui dire. Allez. Il faut que tu lui dises, toi. Il me croira pas. C'est pas naturel de donner quelque chose à quelqu'un sans rien vouloir en retour. Ça y est, c'est plein. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je veux rien du tout. Oh, attends une seconde. Attends une seconde. Il faut que tu comprennes, personne n'a jamais fait une chose pareille pour moi avant. Je sais pas quoi dire. C'est un genre de miracle. Je suis comme ça. Je fais des miracles. Allez, on se casse! Balance le flingue tout de suite. J'ai dit tout de suite. Je veux l'entendre tomber. Peut-être que je vois pas, mais je tire aussi bien qu'avant. Jette-le. T'es tellement prévisible, pauvre con. Je savais que tu baverais sur un morceau de roi comme elle. Enfoiré. Tu sais, t'es aussi débile que tu l'étais quand t'es arrivé à la tôle Bonsetter. Pourquoi tu crois que j'ai baptisé cet endroit chez Gully? Pour le pied d'y coller mon nom, hein? Je savais exactement quand tu serais relâché de prison et que ma jolie rose te mettrait le grappin dessus. Et je savais quand j'allais pouvoir te piquer l'argent. Tu crois vraiment que t'as trouvé le plan par accident, pauvre cul? Laisse tomber les regrets, parce que je vais te crever la paillasse. J'ai pas le temps de faire la causette avec un naze comme toi. J'ai une opération à subir. Et je veux emmener une gonzesse en croisière grâce à toi et à Mac. Salut, ton heure est arrivée. L'argent est ici. Je suis désolée de t'avoir fait subir tout ça. Mais je ne pouvais pas risquer qu'il nous retrouve. Je voulais être sûre que tu le fasses. Parce que je n'aurais jamais pu. T'étais au courant de tout ça? Non. Il m'en a parlé seulement après que tu aies trouvé l'argent. Il se servait de moi aussi. Je t'aime, lui. J'ai ôté les cartouches de son fusil. Il n'y avait aucun danger. Je veux passer le restant de ma vie avec toi, Lee. C'est vrai? C'est vrai, oui. Thank you.
Allez, je m'en vais. Bonjour. À la gare, s'il vous plaît. Oui, madame. Je connais un raccourci. Génial.